Bonjour, le Châteaubriand Tennis de Table organisait son tournoi annuel le 8 mars dernier au Centre Municipal des Sports. Un tournoi familial, ouvert à tous, licenciés ou non licenciés, 86 joueurs y ont participé. L'occasion de découvrir un sport et un club en pleine mutation. C'est un sport de raquette bien sûr, hein, donc ceux qui aiment faire le tennis. Bon, le ping-pong, tout le monde a joué un petit peu, on va dire, au camping. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment être réfléchi, puisque c'est un sport qui est quand même beaucoup technique. Hein, donc du fait la balle, il y a des rotations dans la balle, donc faut bien calculer comment va jouer l'adversaire, les placements, les. Non, on dit pas ping-pong généralement, on n'aime pas ça, donc c'est vraiment tennis de table. Ping-pong pour nous c'est le camping quoi, mais on dit pas ping-pong en club. Donc ce qui a changé, puisque de 21 points, maintenant on est passé en 7 de 11 points. Donc on va dire ce qui a changé aussi, le diamètre de la balle, puisqu'elle a grossi un petit peu, hein, de 2 mm. Après, ce qui a changé aussi, c'est tous les revêtements, puisque maintenant, c'est vrai qu'il y a plein de sortes de revêtements, et donc le jeu est beaucoup plus rapide que voilà quelques années, quoi. Déjà, avant de commencer un match, généralement, on regarde la raquette de l'adversaire pour voir vraiment le revêtement qu'il a sur sa raquette et analyser par rapport à ça. On a plusieurs créneaux, hein. Ça part du créneau loisir, on va dire, hein. Si vous voulez commencer vraiment juste en loisir, taper la balle un petit peu. Donc les cours sont maintenant au centre Bretagne, à Châteaubriand, puisque nous venons d'inaugurer notre nouvelle salle, hein, donc une salle de 400 mètres carrés, avec un revêtement en plus spécifique tennis de table, hein, qui a servi au championnat du monde à Bercy-Paris. Hein, donc vraiment super, ouais. Donc là un grand merci aussi à la municipalité de Châteaubriand, hein, puisqu'avec le service des sports on a vraiment super bien travaillé ensemble, et puis maintenant voilà, on a notre salle quoi. Donc après plusieurs créneaux, le mardi les loisirs, le jeudi aussi, et donc sinon les autres créneaux, il y a le mardi soir pour les seniors, le mercredi les jeunes, on a un créneau le jeudi, le vendredi on est toute la semaine là-bas. Et pour vous renseigner, rendez-vous sur le site internet du Châteaubriand Tennis de Table.